Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grammaires les pulls, qui nous manipulent, les amis. Est-ce que vous avez vu les émeutes hier? C'était pour la loi El Khomri? Non les amis, c'était du Nutella, c'était une promotion pour des pots de Nutella. Oh, des gens ils se sont tués, c'était plus du Nutella, c'était du Nutula. Voilà les amis, Nutula, ils ont failli écraser une grand-mère, la vie de ma mère, pour du Nutella les amis. Et moi je vois les gens qui sont choqués, ouais pour du Nutella, je sais pas quoi, tous ceux qui sont choqués. C'est des gens qui ont jamais connu le faux Nutella de Aldi, le Nutello. Voilà frère, c'est plus de la pâte à tartiner, c'est de la pâte à modeler. La vie de ma mère, de la pute à tartiner. Elle est dégueulasse cette Nutella de Aldi, la vie de ma mère frère. Y a pas, c'est pas des noisettes qu'il y a dedans, c'est des dattes. Voilà frère, dégueulasse. Donc moi je comprends les gens. Oh, vous faites passer le Nutella de 4,50€ à 1,40€. Vous attendez à quoi frère? Voilà, j'aurais su, je serais allé en slip de bain, écharpe de l'OM, moi le premier dans le magasin. Mais faut arrêter, les fils de Bourges, depuis qu'ils sont bébés, ils ont pas du sang, ils ont du Nutella tellement ils en ont mangé. Ils sont là, ouais, c'est écœurant, mais comment vous voulez que nous, on soit écœurés vu qu'on n'en mange jamais, les amis? Bien sûr, je parle pas d'aujourd'hui, aujourd'hui, je mange tout le temps du Nutella, mais quand j'étais gosse, même mes parents, ils étaient modestes et tout, il y avait jamais de Nutella, frère. Il y avait du Nupala, voilà, il était pas là, frère. Même le Coca, c'était pas le vrai Coca, c'était du Coca, voilà. Le Coca, c'était du poison, une bouteille 30 centimes. La vie de ma mère, il y avait la bombe atomique dedans. Oula, il y avait Albert Einstein qui baise Isaac Newton dans la bouteille. C'est incroyable, frère. Oula, une bombe chimique, c'est incroyable. Donc les gens, ils sont là, à part se moquer, vous savez faire que ça dans ce pays. Vous êtes là, ça montre une chose, ça montre que c'est la misère dans notre pays. Quand tu mets du Nutella à 1,40€ et t'as des émeutes comme ça, ça montre que t'as des gens, ils ont vraiment pas les moyens. Et vous êtes là toute l'année à jouer les Robins des Bois, mais vous êtes des Robins des Bois de Boulogne. Voilà, vous voulez sauver la forêt amazonienne, alors qu'en France, t'as des gens, voilà, les gens, ils sont là, ils veulent sauver la forêt amazonienne, ils reviennent en France, ils prennent un iPhone à 1000€ sur Amazon. C'est ça que je comprends pas, ces fils d'autruche qui sont. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Les gens qui se battaient pour du Nutella, c'était qui, les amis? C'était des mamans. Des mamans et des papas. Ils faisaient ça pour qui? Pour leurs gosses, bordel. Pour que leurs gosses, ils aient au moins une fois le sourire en mangeant une Nutella et pas une Nutella, frère, une dégueulasse de Aldi. Donc voilà, c'était qui les gens? C'était pas des animaux, c'était juste des darons qui ont fait ça par nécessité et c'est la vérité. Ils ont fait ça pour leurs gosses, ma foi. Vous croyez quoi? Vous moquez d'eux, mais ils s'en battent les couilles de vos insultes. Ils s'en battent les couilles. Et vous, quand vous attendez, vous faites la queue pour le nouveau iPhone à 1000€, vous êtes 1000 devant comme des pigeons. Voilà, le iPhone, il fait 1500€. Deux jours après, il fait 400€. Bande de sales pigeons que vous êtes, va. Et il y en a plein, ils se moquent des darons pour le Nutella. Mais vous, quand vous allez dans les marchés, bande de clochards, vous allez dans les marchés, t'as un mec, il ouvre sa voiture, il vend des petites culottes, des culottes d'enfants, ils sont tous autour. Voilà, vous êtes 1 million autour. Bande de crasseux, vous êtes toujours là à critiquer. Bien sûr, c'est grave. Ce qui est grave, c'est pas que les gens se sont, battus pour Nutella. Ce qui est grave, c'est que t'as des gens à l'heure d'aujourd'hui qu'on le voit, qui en ont jamais mangé. Je connais des gens, ils ont 50 piges, ils ont jamais mangé Nutella dans ce pays. Et faut le dénoncer, frère. Donc quand t'en as eu toute ta vie, c'est facile de dire les autres, c'est des clochards. Mais quand t'en as jamais eu, tu comprends les gens qui sont y allés. Voilà, bien sûr, frère. Demain, tu mets des Kinder Bruno. Tu mets des Kinder Bruno, des Kinder Bueno. Les amis, c'est plus des Kinder Bueno, c'est des Kinder Valbueno. Ils sont tout petits, c'est trop bon, mais ça coûte 5€. Demain, tu mets les paquets de Kinder Country, les amis, vos grand-mères qui se font contrer. Tu mets des Kinder Country, les amis, demain, tu les fais passer de 5€ à 1€. Frère, tu vas pas y aller en courant, toi aussi, tu vas y aller, mon pote. Donc arrêtez de faire les hypocrites, de toujours vous moquer des autres pour vous blanchir à vous, bande de puanteurs de merde que vous êtes. Vous allez sur Wish, sur les sites de merde, Wish ou je sais pas quoi, vous prenez des coques d'iPhone à 10 centimes. Vous croyez qu'on vous connaît pas? Vous prenez des fausses sacoches Louis Vuitton à 10€ et vous faites les beaux gosses dans la rue, bande de petites putes que vous êtes, toujours à cracher sur la misère du monde. Mais voilà que la misère, elle est à nos pieds. Elle est à nos pieds, frère. Vos grands-mères, les Mbappé. Voilà, c'est un truc de fou. Moi, ça me fout le démon. Donc voilà. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, le Nutella, c'est une matière première. Comme le gaz, comme le pétrole, comme tout ce que tu veux, frère. Et je comprends les gens qui en ont jamais mangé. Le jour, ils voient une boîte à 1€, ils cavalent dessus. C'est normal, mon frère. Tu crois quoi, toi? Ils ont cru quoi, les gens, mon frère?